à la mise au point de Gilbert d'une fondation, c'est-à-dire une organisation qui a pour but de faire du bien, de faire du bien à la société, de rendre des services à la société, d'aider la communauté ivoirienne tout entière à progresser et à acquérir des choses bonnes pour elle-même et pour tous les autres. Et vous avez conçu cette fondation-là, non pas uniquement comme une fondation ivoirienne, mais comme une fondation panafricaine. Je voudrais vous remercier de m'avoir associé à cette initiative, une belle initiative. Je salue cette initiative parce que il est important que l'on sache que de plusieurs manières différentes, on peut participer à l'évolution, à la construction, à l'édification de sa nation, de son continent, de son pays, de toute l'Afrique, et de façon très positive. Il est important qu'on sache que ce type d'organisation-là peut naître dans le pays. Pas naître uniquement en Occident, mais peut naître également dans nos pays, exister dans nos pays, faire du bien dans nos pays et à nos populations. Mes félicitations à vous tous qui participez à la naissance de cette fondation. Vous m'y avez associé. Je vous aime, vous remercier. Pour moi, c'est un grand honneur. Mais en même temps, je voudrais profiter de tout ce que j'ai vu ce matin-là pour vous féliciter et vous remercier. Parce que ça a été simple. Ça a été vraiment très simple. Mais ça a été bon. On s'est bien amusé. On a bien mangé. On a bien chanté. Je voulais féliciter d'ailleurs l'équipe de l'équipe orchestre là, qui s'est produit tout à l'heure. Bravo, félicitations. Mon fait, c'est que cette fondation-là est vive et qu'elle perdure et qu'elle te montre qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons des hommes et des femmes qui ont de la suite dans les idées, qui savent où ils vont, qui savent comment y aller et qui savent notamment mouiller le maillot pour y aller. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Et que nous avons vivre longtemps, que les générations à venir vivent encore ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, vivre la suite et prolonge dans la durée. Toutes ces belles idées que vous avez, tous ces beaux projets que vous avez aujourd'hui, j'ai retenu que vous dites que vous allez créer 1000 entreprises. Hein? Tous les 5 ans. Sur les 5 ans. Je reprends. J'ai dit que vous allez créer 1000 entreprises. Et j'ai dit tous les 5 ans. C'est pas tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans. C'est-à-dire chaque 5 ans, on va s'asseoir, on va faire le bilan et on va compter les 1000 nouvelles entreprises que vous avez créées. On s'engage, j'avais dit, alors que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 5 ans.